Bon les gens, la vidéo elle est un peu longue, désolé, mais j'ai préféré laisser tout ce que j'avais mis, presque, en tout cas, sans apporter vraiment de cut, de modification à la vidéo. Du coup, il y a les interviews aussi, tout le déroulement de quand on est arrivé jusqu'à la fin du match. Donc voilà, désolé, la vidéo est un peu longue, mais j'espère qu'en tout cas vous allez l'apprécier. Sinon, je voulais juste vous dire merci les gens. Tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont soutenu l'équipe, ça fait plaisir. Merci en tout cas. L'année prochaine, on va aller loin encore. On va essayer de faire la même chose. D'accord? On va pas lâcher. Première finale. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà les gens. C'est que le début de belles choses. Le reste va venir. Et pas que. Je vous fais des bisous. Prochaine vidéo ou live si vous êtes là. Gros bisous les gens. Dernier carton de notre saison. Dernier 4 cartons de notre saison. Justement, une équipe qui n'y a que 5 ans était en division 2 du championnat français. Comment est-ce qu'on se rend au championnat élite en finale en seulement 5 ans de la D2 jusqu'à la finale du championnat élite? Je dirais même. Yo les gens, bien ou bien, tranquille ou quoi les gens? Bon les gens, aujourd'hui, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. Quelqu'un qui m'a jeté un sort aujourd'hui. À la demi, j'ai pas filmé parce que j'avais oublié ma carte SD. Mais là, mes batteries elles sont à plat alors que je les ai chargées. On m'a lancé un petit marabout, c'est sûr. C'est sûr, faut pas que je fasse des vidéos. Mais c'est pas grave les gens parce que j'ai décidé de pas filmer avec la GoPro, mais je vais filmer avec mon téléphone. Donc il y aura peut-être des mauvaises images, désolé les gens si ça bouge un peu. Mais bon, on va filmer avec le téléphone. Peut-être ça sera mieux, on sait pas, peut-être ça sera mieux. Bon du coup les gens, finale à ton nom. Je suis très heureux. Voilà, le goal se remplit petit à petit. Première finale pour moi en élite. Je suis très content. J'espère que ça va jouer, que je peux péter le match. J'espère que l'équipe va jouer. Et j'espère qu'on va voir la bague les gens. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Le goal, l'ultime, la bague, la bague. Donc voilà les gens, en attendant, je suis arrivé hier soir, l'équipe aussi, mais moi je suis arrivé de mon côté. J'ai pris mon petit Airbnb, l'équipe est arrivée, ils sont situés à l'hôtel juste à côté à l'Ibis. Voilà les gens, après on va faire une petite marche en équipe tranquillement. Vous montrer tout ça et après on va rentrer, ça y est, meeting, accréditation et on va rentrer au stade. Et ça va envoyer du lourd, ça commence. Let's go! Après l'entraînement à Driz, on était invité, j'étais invité chez vraiment la pizza. Juste pour venir à Gorgon, sinon j'avais pas de temps. Et il a mis sur son cas, on commence à parler. Oui, on t'a quoi? Ça va ou quoi? Les BG là, hein? Code! Oh, il est pas là, mais t'as dit. Oh non! Ça va, gueule? Ça va, gueule? Ça va, gueule? Ça va, code! C'est qui ça, wesh? C'est toi, frère. C'est toi, Malik? C'est qui qui a de la ferme là? C'est toi qui sent comme ça? C'est qui là? Ça sent de ouf? C'est qui mon ami là? C'est toi? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est qui là? C'est qui? C'est qui ça? C'est pas moi. C'est toi, Arkham? Là, c'est vraiment pas moi. Les valises? C'est pas moi. Oh, 20 balles, c'est bien. 20 balles, vrai, oui. Oui, 20 balles. Quoi? Wow. Putain. Je le veux plus. 20 balles pour qu'elle te va même pas, imagine. Ouais, ta grosse tête. Non, tu rentres pas. Non, mais c'est pas de la crème, mets de l'eau. C'est lui. Va en cuisine. Va en cuisine. Viens, même. Ah, Gaël, ouvre ton huile moteur, on va mettre dans ce. Ah, juste après, président!
Ça fait bien les gars. Ça fait bien le président. On m'a demandé de ramener au lac des Roms, je sais pas où il est moi. Eh frère, eh frère. On a match aujourd'hui ou pas? Nous, le sac avec la gourde. On a match ou pas? Ah frère. La gourde elle est bien dans ta pièce là. Oh. La gourde elle est où hein? On peut boire ou? Mais dis, connais tout cet endroit. Le pire, c'est celui qui gère toute la colline. Et c'est le pire d'entre tous. On s'est dit quoi, les BG? On est là, bien ou bien bien ou bien. Eh oui. Ça va, ça se passe dans l'espace. Ça roule. On va au lac Léman, mais on sait pas où c'est. C'est pas grave. On va au lac Léman. Il y a un BP là-bas, il nous explique. Arrête, faut pas dire ça. Mais tu chantes bon. Faut pas dire ça. Il a l'étoile maintenant dans le cœur. Il a l'étoile dans le cœur. Ça fait mal à l'étoile aussi dans le cœur. C'est vous voulez me perdre dans la sauce. C'est vous, vous l'avez mis dans la sauce. Et ça fait mieux, il l'a ramené au club et il a fini champion flag. Donc lui, il a pas direct. First year. Et vous avez pensé à sa cache. On a rien pensé du tout. C'est toi, tu sais. Non, mais regardez. Déjà, nous, on a rien pensé. C'est quoi l'étoile dans le cœur? Ouais, c'est tout. T'as juste posé la question. Bizarre. Voilà. L'étoile dans le cœur, ça veut dire que tu portes le club, mon frère. Voilà. C'est tout. C'est tout, Robert. C'est toi, tu penses que tu es dans des délires. Open. Qui? Mehdi Chambon 24-7, always open. Always open? Ouais, il y a des moments de sa vie, il est très fort. Des moments de sa vie où il est très fort, il a. Mais qui volage? Un autographe! On veut un autographe, monsieur! Vol autographe, monsieur! D'accord. T'as vu? Fatigué. Ouais. Fatigué. Tiré de quand? Hier on est arrivé. Vous allez me faire serrer la main sans personne. Bien sûr, là c'est là. T'as commencé, c'est mort. T'en as 35 derrière. Ouais, là tu seras tout le monde, frère. Qu'est-ce qu'il avait tourné? Elle va pas tourner, frère. Ah vite ça! Ah dis bonjour à tout le monde enculé! Ça va mon reste? Et toi? La forme? Non mais non, mais non! Ah la dégaine de bide! Ah tu arrives en retard frère, dis bonjour! Ah vite! Ah! Regardez la dégaine de bide! Ah vite ici! Là. Salut, moi je viens surfer, moi je viens pas jouer les gars! Tu sais, je dirais le mec qui fait des vidéos Instagram. La simplicité quoi, je vois. Mehdi, Mehdi, Yazaka il te cherche. Les gens, on va faire un petit décrachage. On va décracher tout, les gens, un petit décrassage. On devait aller au lac Léman. On se retrouve ici, à la fontaine. On se retrouve au bar de Clément. Voilà, on se retrouve au bar de Clément. Il y a un noir qui ressemble à Tiffy Sissé, mais de chez plus. Attends.
C'est que des vidéos. Allez, que pour les caméras. Bien sûr. T'as aimé faire 36 km juste pour faire ça? Pour rentrer en retour. C'est encore chambon le guide. Chambon le guide? En 3 ans on y est. Là, le temps de pause il est foiré là. Pourquoi tout à l'heure on n'est pas passé par le parc? On s'est arrivé ici directement. Vous avez laissé mener la marche par un arabe. Ils nous ramenaient pas au lac, ils nous ramenaient au djihad. Un arabe qui s'appelle Chambon, man. Non, en fait, les gars, vous avez pas compris, c'est pas un arabe. C'est quoi lui? C'est un arbre. C'est. I'm feeling good, but you're feeling good. He's feeling good. We're all feeling good. Let's get this shit. Ouf, vite fait, prends celui de dos. Attends, mais j'ai ça moi dans les mains. Ça va? Est-ce que vous pouvez faire des photos de figoles pour Josh? Et aujourd'hui, on va faire un putain de taf. Moi, aujourd'hui, je joue pas avec des coéquipiers, je joue avec des putains de frères. Et aujourd'hui, on va tout laisser sur le terrain, les gars. Et on va tenir jusqu'au bout, et on va les enculer, et on va ramener cette putain de bague. Let's go! Vas-y, 1, 2, 3, aujourd'hui, la bague, c'est aujourd'hui la bague, du Kenfim. Portable style mexicain. En fait, c'est un peu le look. Ouais! L'homme avec un grand H! Il cherchait, il était encore au lac, il cherchait. Le lac? Mehdi? On a dû l'emmener à un supermarché devant le rayon des gels et des lacs et tout. Chicago loves the Blue Stars. You guys have had a fantastic season. Let's finish it strong. Let's win the Casa Diamant. Go Blue Stars, one play at a time. I wish I could be with you guys. I love you. Blue Stars all the way, baby. Do it. C'était qui lui? Ah, je vois qui c'est lui. T'as l'air? Grosse force à mes gars. La Big Blue Nation. Let's go, les bousins de c'est pour nous. Allez, chercher la balle, let's go. Il est deg, il fait que peur. Yeah! Hello, my name is.
n'entendez pas. Let's go, P. Match ne va pas être parfait. Ça se peut qu'il y ait des turnovers en dopant, ça se peut jamais. Mais regardez toujours, quand ça va pas, regardez si vers votre gauche, si vers votre gauche, il est quelque part. So, assurez-vous de rester solidaire à travers les 4K, même si, et même s'il y a du overtime, restez solidaire, les gars. Vous n'avez que vous, et vous, that's it. So, encore une fois, félicitations. Je vous suis des chers d'entraînement. Je n'ai pas dit grand chose, mais je vous ai suivi, je vous ai lu à la fin de la saison, extrêmement fier de vous les gars. Et il faut tout donner aujourd'hui. Je vais partir de ce terrain sans regret. Et je vais vous ramener à la victoire. So, vous savez comment ça se passe après les célébrations, c'est feu les gars. Donc si vous n'avez pas de motivation, vous pouvez là, visez là. Visualisez-vous en train de gagner ce match les gars. C'est énorme ce que vous avez fait là pour Marseille, pour la ville, pour le sud. C'est énorme. Continuez comme ça, les gars. Regardez-vous, à droite, à gauche, encore une fois, je vous dis, c'est la famille, les gars. C'est la famille, ce que vous êtes en train de faire, là, pour remporter ce match-là. Ce souvenir, vous allez l'avoir à vie. Je vous le souhaite. Et j'espère que la célébration sera encore meilleure après. So, les gars, let's go, Blue Star. Et félicitations encore. Blue Stars, on my side. Je suis Michael Hamilton, San Diego Chargers. I want to wish you guys good luck against the Black Panthers in your championship. Dans 3 heures. Non. Si vous voulez la même, c'est la salle des U20. Ils ont renversé des montagnes pour la voir. C'est à nous d'écrire notre histoire maintenant. Dans 3 heures, vous avez 4 cartons à tout donner, à faire ce que vous avez fait depuis le début. Jouer en équipe, comme l'a dit dans la vidéo, jouer les uns les autres. Il va y avoir des hauts et des bas pendant le match. Et le but, c'est de jouer les 4 cartons à fond. Et d'avoir pas bourré et tout laisser sur le terrain. Comme on l'a toujours fait, tout simplement. Ok ? Donc, si vous voulez aller à la vôtre, par contre, les gars, il n'y a rien qui est acquis dans la vie, il faut aller la chercher. Si vous la voulez, celle-là, il faut aller la chercher. Dès maintenant. Donc, dès maintenant, on arrive déterminé sur le terrain et on joue notre finale à 200%. Et on va la chercher, celle-là, là-dedans. Tu m'as pris XL. Bah, ils m'ont pas donné quoi, j'ai demandé. Ils s'en disent ouais. Bon, il y a tout le monde les gars. Tout a été dit dans la vidéo les gars. Moi je rajoute un truc que j'ai dit déjà à la défense. Aujourd'hui, on laisse tout sur le terrain. C'est pas avec des coéquipiers que je joue les gars, c'est avec des putains de frères. Et moi je meurs sur le terrain pour mes frères. Alors on y va et on monte. C'est quoi les Blue Stars? Stop! Ouais. Stop! 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 Blue Stars! 1, 2, 3! Blue Stars! Let's go! Bon, les gens sont devant le stade, on attend pour rentrer. On ne veut pas nous faire rentrer, ça commence déjà. Ça y est. Mais en fait, ils veulent pas nous faire rentrer. Écoutez, il y a des mecs à gouler, frère. Normal aussi. Ah, voilà, ça y est. Sage, where's your flag? Where's your flag? Where's your flag, man? Okay, Chicago.
Haute Savoie. Dernier carton de notre saison, les derniers 4 cartons de notre saison. Aussi simple que ça. On a travaillé dur, on arrive là depuis septembre. Au-delà de ça, le club a travaillé dur pour nous amener tous ensemble jusqu'à là. Des gens qui étaient avant ça ont bossé dur et ont donné leur corps pour qu'on arrive jusqu'à là. Ok ? Juste une chose, c'est jusqu'à 4 ans de foot. Il ne faut pas que ce match soit plus grand que vous le pensez. Juste à faire vos fondamentaux. Gardez la balle. Soyez intelligent. Tout ce qu'on vous a coaché depuis le début de l'année, aussi simple que ça. Faites votre job. Faites votre job. Quand vous allez avoir des moments durs dans le match, il va y avoir des turnovers, il va y avoir des moments durs. Pensez à, comme on a dit depuis tout à l'heure, à votre pote à côté. Ça vous donnera de la force. Pensez à Jackson, qui donnerait beaucoup pour être avec vous aujourd'hui. Ça vous donnera de la force. Pensez à tout ce qu'on a traversé, ça vous donnera de la force, ok? Et mis tout en bout, tous ensemble, tous les joueurs-là, toute la sauce des Boussards de Marseille qui est derrière nous, toute la ville de Marseille qui est derrière nous, on va tout le faire, on va faire ça ensemble. Go! Il n'y a pas de star, on rentre en équipe ensemble, on finit ce championnat ensemble et on gagne ensemble. Let's go, boys! Let's fucking go! On embarque sur ce fucking field, on les frappe dans le visage, du début à la fin, puis on sort de là avec une fucking ring! Un fucking ring! One to blue, one to star, one to champion. One to blue, one to star, one to champion! Let's go! Come on, man, let's go! Reculez.
avec évidemment Adrien Linda, le numéro 1 qui a commencé la saison en quarterback, receveur, et qui l'a fini en quarterback hein, suite à la blessure du numéro 11 Chase Andrews que vous ne voyez pas à l'écran, mais voilà, qui s'est blessé malheureusement au genou pendant la saison. Adrien Linda, j'ai eu l'opportunité de le connaître en équipe de France. Il jouait quarterback depuis un moment. Voilà, il est capable de jouer en tant que receveur et en tant que DB, mais aujourd'hui on va l'attendre en tant que quarterback et je sais qu'il a gagné le match contre le Flash, donc pourquoi pas contre les Black Bay. Ah. Joe Zanka et Adrien Linda, je te laisse en parler, Brice. Joe Zanka, DT, donc défensive tackle, vous allez retrouver sur la ligne défensive un joueur très très puissant, très impressionnant. Il est capable de pousser deux joueurs, donc on va sûrement voir des sacs de sa part. Et de l'autre côté, on voulait un peu présenter Adrien Linda, l'athlète. Donc ATH, c'est vraiment athlète. Il peut jouer plusieurs positions, quarterback, receveur ou cornerback. Donc on va le voir également pas mal sur le terrain. Et c'est parti pour ce 27e casque de diamant. Championnat 2023 avec un rebond mal négocié là-dessus par les Black Panthers. Lucas qui doit rebondir. Il arrive à prendre l'extérieur. Non, il est plaqué. C'est compliqué. Il est bien pris. Bonne première action des Blue Stars de Marseille qui empêche José Tabora dans un instant. Et il la donne cette fois-ci à Nicolas Cordard. Première course. Arrêtez tout de suite. Grosse défense. Gang tackle avec notamment Joe Zanka. Qui demande un fumble, hein, qui réclame. Il estime avoir réclamé la balle, on verra peut-être ça au ralenti, mais 5 pour les Black Panthers, la motion de Jack Pinkerton. Il va lancer à droite, non. Ah, il est pression. Le sac est raté. Il va devoir lancer, se débarrasser du ballon. Ouh, ça peut être bon. Peyo Dahir. Et très bon play, big play des Black Panthers. C'était mal parti, hein. C'était mal engagé, c'était Brice. Mal parti, on a vu. Allez, c'est snappé, ça va être une quick pass. C'est pour Jack Pinkerton, le Kaiden américain. Oh là 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 là. C'est juste avant. C'est juste avant. Plaqué c'est bien juste rempli. Avant. Le et numéro 3, Emmanuel Ntutum. Ouais, c'est bien ça. C'est bien lui, le safety. Allez, non, c'est donné. Le touchdown est donné. Le touchdown est accordé, effectivement. On va revoir ça au ralenti. Et le kick est donné, les Blue Stars qui vont donc remonter, c'est Emmanuel Ntutum avec le ballon. Attention, il est pris tout de suite par Liam, le numéro 17 qui arrive à le ceinturer. Adrien Linda en QB, allez, c'est parti, il donne la balle à Peris Joas. Peris Joas, un américain également, un running back très quick, très explosif. C'est ça, c'était leur américain il y a 5 ans quand ils ont la part des Black Panthers. Ah, ils le savent, hein, ils vont devoir le bloquer à deux. Sinon, il va faire des dégâts sur José Tabora. Ouais, s'ils veulent jouer d'autres styles de jeu. Allez, c'est encore pour Nicolas Cordard. Il va passer un peu à l'intérieur. Oh là là, ça peut aller loin. Ça va aller jusqu'au bout. Le touchdown. Ça va aller jusqu'au bout pour Nicolas Cordard. Nicolas Cordard. Et c'est le premier. Le premier. Nicolas Cordard qui vient s'imposer dès le début du match. Hein. Peut-être en attendant d'autres. Ouais, Nicolas Cordard qui vient respecter la logique de cette saison régulière. Hein. Lui qui a eu. Levez la tête, on s'en fout. Let's go. C'est uniquement ce qu'on avait, messieurs. Parce que, hey, regardez-vous là. Regardez-vous là. On est premier quart. On a joué pas mal. Parce qu'on fait des putains d'erreurs. On a fait des erreurs sur le premier drive. On Hey, levez-moi. Tu es putain de ça. Je veux des regards de guerrier. On va changer le game plan. Panthers de Tournon-les-Bains, vraiment, hein, on sent ce professionnalisme hein, quand on est du côté des Black Panthers. On est arrivé hier, on a pu suivre un peu leur entraînement. Et alors qu'on repart, Peris Joas. Oh là là là, quel move! Il arrive à esquiver Il est incroyable, joueurs. Il est impossible à mettre au sol. En fait, maintenant un punt de Nathan de Saint-Julien, ça a touché Pedro Rosa. Ah là, il va y aller. Il va-t-il avoir la première Il est plaqué. J'ai pas trop compris. Plaqué par Timon de Bies. Il me semble que le snap a touché l'un des personnels protecteurs. Non, c'est bien ça, sur les 32-33 yards pour les Black Panthers. Allez, ça va être une passe. Attention à la double passe parce que c'est une Jack passe Pinkerton. En arrière. Attention à la double passe. C'est catché. Et là, on va esquiver. Il va y aller jusqu'au bout. Incroyable. Le touchdown de Félix Durand sur cette passe incroyable du tight end Jack Pinkerton qui célèbre avec ses coéquipiers. Vous ne le voyez pas à l'écran. Exactly! No, guys, we're at a point right now, 21-0. Either you're gonna nut the fuck up and you're gonna be fucking men and you're gonna play the rest of this game to the last fucking whistle, or you're gonna go out a fucking pussy! Play the fucking bitch! Or you're gonna go out like a fucking pussy! In front of your fans! In front of your family! Like a fucking bitch! There's some people coming over there! We just need all the trouble! God damn! Let's nut the fuck up! We're man. Like fucking United!
Donc voilà, le drive des Blue Stars va être important. On va voir peut-être une passe pour le running back. Peut-être la réaction sur numéro 14. C'est catché. Non, c'est droppé. C'est droppé par Lionel Zariou. L'expérience qui a fait la différence. Troisième tentative, Adrien Linda qui roule sur sa droite. Allez, c'est catché par Pedro Rosa. La première est faite. Il va y aller. Il arrive à cibler en premier, en deuxième. Largement. C'est vraiment le joueur à suivre côté Black Panther. Côté Blue Stars. Côté Blue et Blue Stars. Et cette fois-ci, on donne la balle à Peris Joas. Attention, il a trouvé une brèche. Très gros blocs, hein. On a vu des très gros blocs. Vraiment les brèches. Il est patient, encore une fois. Il attend que les blocs se déroulent. On va devoir aller chercher quelques yards pour faciliter la troisième. Et il roule à droite, encore une fois. On l'a vu souvent ça. Hein. Adrien Linda. Il n'a pas de solution. Attention, il a lâché le ballon. Trois défenseurs sur lui. Il va devoir lâcher le ballon. Il arrive à les contourner. C'est lancé, il y a du monde. Ah, l'interception. Ah, c'est terrible. Il a voulu trop en faire là-dessus. L'interception de Lucas Velluire, il me semble. Oui, c'est bien lui. C'est ça. Le public. Les Marseillais qui ont fait vraiment le déplacement en nombre. Je crois qu'il y avait trois quarts de supporters. Attention, ça va être une passe. Il n'y a pas de pression. Il est tout seul. Oh, c'est catché. Magnifique. Peyo Daïr qui sauve son équipe. Et magnifique passe de José Tabor à Liam Ward. L'Américain qui est de l'autre côté à gauche. Et ça va peut-être être sur lui. Et ça va être un premier sac. Premier sac. Alors que nous avons peut-être un holding. Allez, c'est parti. Deuxième est très très long. Deuxième est waouh. Attention. Alors, il a du temps. Il a beaucoup de temps. Il va être saqué. Il va être saqué. Il est saqué. Il me semble que c'est encore Alexandre de Dieu. Un petit peu plus le bloc. Un peu plus d'engagement. Faites un peu plus. Il faut y arriver là. On est obligé là. Ça y est, on a vu le spectacle de la finale. On n'a plus de stress. On est perdant quand il arrive. Allez chercher la gagne. On est perdant. Let's go. On s'amuse maintenant les gars, c'est bon, on s'amuse. On sort la tête de l'eau, on y va tout, tout le monde à 100%, tout le monde à 100%, let's go. 1, 2, 3, on fait, 1, 2, 3, on fait, let's go. Jeux qui sont à haut pourcentage de réussite pour se redonner confiance parce que là il faut build une grosse drive. S'ils réussissent à scorer avant la fin de cette demi, on arrive à un match 21-7, un match beaucoup plus important en deuxième demi, avec une foule derrière eux, même si on est à l'extérieur, qui peut les remettre dans le match. Malheureusement, si on ne réussit pas à scorer dans cette drive, ça rend très difficile. Exactement. Continuez ce drive là-dessus. Et ça va essayer sur le côté. C'est catché. Petite hook sur Vincent Montero, enfin une grande hook même. Attive et 4 yards. Et ça va être une nouvelle passe sans surprise. Ça va être peut-être pour Pedro Rosa, non. Au milieu, Vincent bien Montero vu. Tout seul. Il l'a trouvé tout seul. Vincent Montero tout seul, il arrive à sauter au-dessus d'un joueur. Et ça va peut-être être ça la clé hein, pour les Blue Stars de Marseille. C'est Noah Jacquenot qui... Noah Jacquenot. Et ça va peut-être être ça la clé, hein, faire des tracés qui rentrent dans le terrain, vraiment à l'intérieur, pour essayer de croiser un peu cette couverture. Et je crois que nous avons un temps mort. Non, il a spiké le ballon. Il a spiké le ballon, autant pour moi, j'avais pas vu. Alors on va le revoir au ralenti. Tracé dig, au milieu du terrain, vraiment tout seul. Bah, c'est de la zone, donc c'est compliqué à couvrir. En tout cas, on voit super saut de Vincent Montero. De diamant. Première et 10 pour les Blue Stars. Adrien Linda qui scanne le terrain. Allez, c'est lancé, il y a du Pedro monde, Rosa. Oh, il attrape la balle. Incroyable. Pedro Rosa qui reste concentré jusqu'au bout et qui attrape ce ballon. Un touchdown inespéré pour les Blue Stars. Un catch spectaculaire. Hein. Il a été touché par au moins, je crois, un ou deux défenseurs des Black Panthers. On en a vu cette année, l'année dernière, mais on va le revoir au ralenti. Pedro Rosa qui reste concentré et qui cache le ballon. On s'amuse, juste comme d'habitude. Adèle, il part. On touche un peu. En fait, dès que ça switch, on récupère. Et c'est le septique qui reste. Je pense qu'il est assez bon. Et non pas 2 minutes 27. Allez. C'est une faute, mais il y a du monde. Ah, ça va être raté. C'est dommage. Il me semble avoir vu un flat. Tu trouvais un peu la réponse. Ah, vraiment, ils ont trouvé la réponse avec ce touchdown incroyable de Pedro Rosa. Et le risque a été pris par Adrien qui a payé. On a vu par contre l'extra point raté. Et peut-être ça va être clutch à la fin du match. Ils vont devoir aller chercher les deux points.
Et en tout cas, Marseille, ça relance Marseille. Ils vont récupérer la balle à la mi-temps. Ouais, ouais, donc ça va être intéressant. S'ils arrivent à marquer, s'ils arrivent à marquer au retour de drive, dès le retour, ça relance le match. Ça va clairement. Et j'imagine même pas l'état de la tribune du camp des supporters marseillais. Comme j'ai dit, il ne faut pas que ce match soit trop grand pour nous. Là, on se shoot tout seul dans nos pieds. On se shoot tout seul dans nos pieds. À vouloir faire un trou. Qu'est-ce que je dis depuis le début du match? Faites votre match, faites votre job. Et ok, chaque jeu maintenant, les gars, qui est l'espoir. Chaque jeu, on fait notre job sur chaque jeu et on voit à la fin. First down par first down. Jeu par jeu, score par score. On pense qu'à ça. Arrêtez de vouloir faire les héros, arrêtez de vouloir faire des calls qu'on n'avait pas dit de faire. Faites votre job. Aussi simple que ça. Deux cartons de foot encore de la fin de la saison. On montre notre meilleur visage, on regarde pas le score, on montre nos meilleurs visages et on fera les comptes à la fin. Ok les gars, ouais. Let's go. Messieurs, c'est bon, là, Adrien Linda, anciennement receveur et DB pour les Blue Stars, mais aujourd'hui quarterback et depuis le début de milieu de la saison environ, suite à une blessure. Adrien, match difficile en début de demi. Ceci étant dit, gros drive qui donne du bon momentum pour ton équipe. On voit beaucoup que vous avez performé sur les routes internes. On parle de dig, de slant, de post. Est-ce que c'est la stratégie pour le reste de la demi ou est-ce que vous allez tout à refaire? Je pense que ouais, on va utiliser ça. On a vu que voilà, ils font une bonne cover 3, ils aiment pas trop le jeep. Donc je pense qu'on va peut-être revenir sur ça. Après oui, on s'est testé. Voilà, nous on vient, on n'a rien à perdre, on teste. Là on a vu un peu ce que ça donne, donc je pense deuxième mi-temps, on va bien s'ajuster, ça va aller. Adrien, merci beaucoup. Hey sir, c'est ça les gars, on va leur faire mal. Les gars, je vous dis honnêtement, j'ai juste envie d'entendre des casques claquer contre des épaulières. Des bruits de tous les côtés. Là, il n'y a aucun bruit. On fait des blocs, ils sont légers, ils sont... Les gars, je veux qu'on tape. Même si tu rates ton bloc, tu tapes. Même si tu n'as pas fait le bon jeu, tu le tapes. Qu'il s'en rappelle toute sa vie. Fais l'histoire. Fais l'histoire. On tape, il faut taper, si les gars. Vous devez couper un mec, vous coupez pour qu'il reste par terre. Bloquer, ça ne suffit plus. Les gars, c'est simple. C'est soit eux, soit vous. Sur un bloc. Hein. C'est soit vous la pute, soit lui la pute. Perso, le choix est vite. C'est des putains de gens tous les poussards. Ok les gars, on tape tout ce qui bouge jusqu'au coup de sifflet, même un tout petit peu plus. C'est bon. Let's go boys. Pense à Manu. On sait qu'on peut le faire. On fait ça, on sait ce qu'on a. On fait ça messieurs, on fait ça messieurs. Je suis présentement avec Coach Bave des Blue Stars de Marseille, head coach. Coach Bave, comment on sent par rapport à la première apparition des Blue Stars de Marseille en finale élite? Extrêmement serein, extrêmement bien. On sait ce qu'on a fait pour arriver jusque-là. Notre développement a été durable, c'est-à-dire on a fait demi-finale, quart de finale, demi-finale et finalement finale. Donc on sait notre mérite d'être là. On est serein parce qu'on sait qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on va profiter le plus possible. On va essayer de challenger le plus possible une grande équipe qui sont les Black Panthers. Et on va se battre sur tous les ballons et on va tout donner sur le terrain pendant 4 quarts-temps. Et on espère qu'à la fin, ça nous sourira. Et voilà. Et surtout profiter de l'expérience parce que, comme je disais, dans le football amateur, c'est des moments rares. Donc on essaie d'en profiter le plus possible. Et voilà quoi. C'est que du bonheur. Coach, vous avez parlé du développement de l'équipe dans les dernières années. Justement, une équipe qui n'y a que 5 ans était en division 2 du championnat français. Comment est-ce qu'on se rend au championnat élite en finale en seulement 5 ans, de la D2 jusqu'à la finale du championnat élite? Je dirais même de la D3 depuis 6 ans. Wow. En 5 saisons, on a fait finale, de D3 à élite. Donc, c'est une politique générale d'une association qui est extraordinaire, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on essaie de garder nos valeurs, qui est la formation des jeunes. Aujourd'hui, je suis très fier que, en fait, comme je disais, il y a 70% de gamins qui sont formés au club, qui sont là depuis cadet, certains, U19 d'autres, d'avoir pratiquement toute l'équipe, à part 4 joueurs, qui habitent à Marseille. Donc on a une équipe qui est soudée, on a une équipe qui vit ensemble et qui joue ensemble. Il y en a qui, comme je vous ai dit, ils jouent ensemble depuis cadet. Donc ils vivent leur rêve. Il y a une génération qui aura fait finale U17, titre U20, et aujourd'hui, finale élite à saison d'affilée avec le stop de Covid. Donc j'aurais dit, c'est vivre des moments comme ça dans le sport, c'est incroyable. Moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir la chance d'écouteiller, qu'ils étaient encore tout petits, tu peux leur apprendre à mettre un équipement et un casque. Et aujourd'hui, d'être dans la grande finale de l'équipe, du championnat de France, c'est que du bonheur, comme je vous ai dit. Donc, comme je vous ai dit, on vit le moment à fond. On espère que ça nous sourira à la fin et on verra bien. Merci.
Merci coach, c'était coach Bav des Blue Stars de Marseille. Deuxième mi-temps qui va être donné par Kevin Dessault. On a trois returners. Hein. Ouais, c'est souvent c'est le cas. Kick. Et au final, ça va être un joueur qui n'a pas forcé. Ah, c'est Florian Angelini là-dessus qui a récupéré le ballon. De côté, un running back. On va aller chercher sûrement dans Paris la carte. Joas. Allez, peut-être un out. Allez, une fade, c'est lancé. Ah, il est bien couvert, il est bien couvert. Oh, il a réussi à attraper la balle. Il y a un flag. Peut-être interférence offensive. En tout cas, c'est ce que dit Adel Babdil. Phil, attention, peut-être une course. Non, il roule sur la gauche cette fois-ci. Cette fois-ci, il a du temps, il a de l'espace à droite. Il va aller tout seul. Le TD. José Tabora. Qui vient inscrire un quatrième touchdown pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Eh oui, vraiment improvisation de sa part, un rôle à gauche qui était mal négocié, Pierre Rosa qui mettait la pression. Il y avait la pression, ouais. Alors, 12 yards. On a un trips à gauche, on va sûrement mettre la balle dans les airs, on doit courir au score. Allez, c'est compliqué, il a la pression. Allez, on demande la balle, c'est catché. Il trouve encore une fois Paris Joas. Et c'est un rattrape encore possible pour le Marseille, mais il faut, c'est maintenant. Ah oui, il faut vraiment réagir là, il faut réagir. Il faut avoir une première. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Une passe. Il a du temps, Adrien Linda, il sort sur la droite. Très beau bloc encore une fois. Et il va aller chercher la première, oui. Il me semble qu'elle est faite. Ça va être juste. Il me semble qu'elle est faite. Il me semble que ça va être on juste. On est pile en face. Ouais. Match les Blue Stars de Marseille. Ça va être une nouvelle passe d'Adrien Linda. Il scanne le terrain à droite. C'est trop. Non, il arrive à la voir. Est-ce qu'il était dedans? Oui, Vincent Montero, non. Si, elle est bonne. Elle est bonne. Marseille, j'attends vos messages. Allez, deuxième tentative et 3, 4 yards à parcourir. Ça se joue vite cette fois-ci pour Pedro Rosa. Il a la première. Et Marseille qui commence à devenir dangereux. Hein. Ils arrivent à trouver les brèches. Ouais. À droite. Il va peut-être s'échapper. Oui, on va le lancer. Lui, il part à l'extérieur, non? Il y a du monde au fond d'end zone. Une passe peu orthodoxe. Oh, il incroyable. Ça va être un touchdown. Est-ce qu'il a gardé la balle? Oui. C'est touchdown. Touchdown de Pedro Rosa. C'est le deuxième pour lui. Du bout des doigts, il vient passer, franchir cette ligne blanche et inscrire le deuxième touchdown des Marseillais. On a Vincent Montero vraiment tout à l'heure qui a sauté au-dessus d'un joueur. Et cette fois, c'est Pedro Rosa qui s'envole dans les airs. Voilà, on va revoir ça. Et regardez cette passe d'Adrien Linda. Une passe à la louche. On va voir. Hein. Incroyable. Un peu comme Patrick Mahomes. À 4, vous allez voir magnifiquement sauter au-dessus du joueur. Oh là 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 là. Et il passe bel et bien la ligne avant de tomber, avant de sortir. Maintenant il faut qu'on tape et qu'on joue hyper fort. C'est tout. Là il nous laisse la place. Là il nous laisse la place pour marquer. Ok? Maintenant c'est à nous de step up, dérouler tranquillement et continuer notre deuxième mi-temps pour monter la commencer. Ok? Let's go. Alors peut-être un onside kick, hein, comme nous a dit Nick, on sait jamais, restez vigilants. Et c'est un sky kick. Son côté, attention, attention. Attention, c'est bien pris. C'est pris non, non. Les Blue Stars qui gardent la balle. Incroyable, il l'avait vu, notre Québécois. Et c'est là-dessus le numéro 16, Reda Lameri, qui a récupéré le ballon. Très bien joué. De quoi leur redonner du momentum aux Marseillais. Pour réagir là-dessus. Allez, trips à gauche. C'est tout de suite en, c'est Pedro Rosa qui saute, qui s'impose, qui vient mettre le contact. Et la physionomie du match qui est en train de changer. Attention au fumble. Attention au fumble. Non, non, pas. Oh, apparemment c'est récupéré. Oh, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Désolé Nick, on reviendra vers toi. Mais c'est absolument fou ce qui se passe sur le terrain. Les Black Panthers qui récupèrent la balle. Et là, Pedro, immédiatement. Tamam Moulinda Abi, très bien joué de sa part. Allez, je reviens vers toi Nick. Allez. Oui messieurs. La prédiction était bonne, mais malheureusement le fumble qui vient gâcher un peu tout ça. 100%, la prédiction était bonne. Première fois, il faut croire que j'ai la chance du débutant. Ceci étant dit, petit retour sur Salomon Batossé. C'était simplement un coup à son tibia. Il va revenir sur le terrain, à tackle pour son équipe. Comme on a vu aussi, il y a eu le changement de possession, fortement contesté par Marseille. En ce moment, il y a un huddle d'arbitre. On attend d'avoir la décision finale. Et puis Pedro Rosa, finalement, qui s'est blessé aussi. On espère qu'il va revenir parce que, comme on l'a dit tantôt, un joueur extrêmement important pour son équipe depuis tantôt, 2 touchés. Donc Marseille aura besoin de lui pour terminer le match. Merci, messieurs. Merci, Nick. On vous rappelle, hein, 2 touchés, ça veut dire 2 touchdowns. On est là, on parle en canadien, en québécois. Un peu d'exotisme dans cette soirée, dans ce casque de diamant. Et les Blue Stars, les Black Panthers, pardon, qui repartent donc effectivement avec le ballon. Plus de peur que de mal. Et ils donnent la balle à Nicolas Kanzar. Hein. Tout de suite, on prend pas de risque. Donc, 3e et 9, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Motion de l'Américain. Ça va partir sûrement en win pour lui. On a le rôle de José Tabora, c'est catché. Ouh, il l'attrape. C'est catché pour lui. Malgré défenseur, il est finalement plaqué. Quel catch
un catch vraiment contesté. Acrobatique. Match-up en haut de votre écran. On va sûrement aller prendre peut-être une course. Allez, on va rouler à droite cette fois-ci. Il n'y a pas de pression. Attention de l'autre côté. Ça va être un touch receveur. Tentative pour l'y avoir. Incroyable. Incroyable. Quelle passe millimétrée. Et c'est un bon. Comme toute cette saison. Ça va être la paix. Encore un rôle côté à droite. Et il va chercher. C'est coaché par. Ouais, c'est caché par Vincent Montero. Très bien. Cette fois-ci, il a pris dessus. Son conférence nord. Et c'est tout simplement répartition géographique. Il y a 12 équipes. Il en faut 6 les plus au nord, 6 les plus au sud. Ouais, c'est lancé, interception. Oh, l'interception. Interception. L'interception. Et il doit sortir. Timon Debièze. Non, c'est le numéro 3, pardon. Ouais, Noah Jacquenot. Alors, le punt à suivre. Attention au snap. Ouais. On va devoir assurer le snap. C'est assuré. Et ils vont tenter. C'est une fake. Oh, ah, il est plaqué. Gros plaquage. Très gros plaquage de Pierre Nana. Net et sans balle. Momentum et exactement, l'espoir. Exactement. On ne peut pas avoir un mauvais punt. On encaisse des points, mais on rend la balle très loin. Allez, attention à Pedro Rosa dans le fond. Pedro Rosa, interception. Interception, Timon Debièze. Timon Debièze qui vient clore ce match, sûrement. Oh oui, je pense que là, il n'y a plus aucun doute. Minutes. Et un flag, encore une fois. Des mauvais gestes, des mauvais. Ouais. Attention. Côté Black Panther, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des. Il commence à avoir des sourires qui sont déguisés. Interception. Fumble. Antonin Aragon qui vient redonner un peu d'espoir à son équipe. Désolé Nick, on reviendra. Allez, on voit l'action. C'est sur Gabriel Bisson qui va inscrire un touchdown. Non, oui. Ah oui, c'est l'arbitre qui lève les bras. Le touchdown de Gabriel Bisson pour la gloire. Hein. 35-18. À eux, très belle saison. Invaincu. 9 victoires, 1 nul en saison régulière contre le Flash de la Courneuve. Et une seule défaite, malheureusement, en finale européenne qui leur empêche de faire le doublé, Brice. Et vraiment. Venez. Sans cas. Go, viens. Bon, tant pis, je veux pas t'en prendre. Non, c'est bon. Ça. Laisse-le. Les gars. Comme je l'ai dit, on joue comme des hommes, on perd comme des hommes. On garde notre dignité. C'est le plus important. N'oubliez pas tout le parcours qu'on a parmi nous, tout ce qu'on a fait pour en arriver là. La victoire et la défaite, ça fait partie de la vie. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait, tout ce qu'on a appris sur le processus. Je vous dirai un truc, ça va du droit dans le cœur. Je suis fier de chacun d'entre vous. Je vous remercie de l'année que vous m'avez donnée. Ok les gars, c'est l'année que vous m'avez donnée. Vous avez donné au club. Ok, je vous remercie pour ça. Il n'y a personne qui mettait une pièce sur notre putain d'équipe en début d'année. Personne. Il n'y a que nous qui croyons en nous-mêmes. Après, c'est comme ça, c'est le football. C'est vite fini. On a été pas présents, autant les joueurs que les coachs au premier quart-temps. C'est la différence qu'il y a à la fin. Mais je suis fier de vous, on s'est battu jusqu'au bout. On a montré une belle image, on a insulté personne. On n'a pas fait des fautes jusqu'au bout, les gars. Je suis fier de vous. Ok. Je suis fier de vous. Honnêtement, hein. Je dis ça, pas ça pour consoler. Je suis fier que Pedro, il est allé jusqu'au bout. Tu as donné jusqu'au bout, ça me fait plaisir. Tout le monde. Applaudissez-vous, les gars. On est vite champion de France. Soyez fiers de ce qu'on a fait. Ça fait mal. Mais être soyez putain fiers de ce qu'on a fait. Regardez notre assoce. Ah, c'était toi, hein? Ah, franchement, reste le cas. On a fait les buts aujourd'hui. C'est le bâtard. Ah, les gars, c'est le cas. 1, 2, 3, Louson!
Hey, family, hey, family on three. One, two, three. Family! Les gars, on va faire la photo avec le public. Je vais vous faire ce que les demandés. Je vais vous dire quelque chose. Médaille en chocolat, mais médaille quand même. Médaille quand même. Médaille quand même. Pire escroc. Bon les gens, un match en première mi-temps, on va dire, ok, dominance. On n'est pas prêt, on voit que voilà, ils étaient là. Exactement. Deuxième mi-temps, on revient fort, momentum, mais les arbitres... On ne parlera pas des zèbres. Voilà, merci les arbitres. On peut pas dire qu'on perd sur ça, mais on peut le dire aussi parce que vraiment, il nous nique le momentum, il nous nique des actions où il y a des catch, actions vraiment des fautes pas sifflées, c'est des comme fautes ça. Obvious pas sifflées, c'est comme ça. Mais on est une jeune équipe, c'est ça. 4 ans division 1, ils ont prouvé toujours en playoff, première fois en finale, première médaille, et let's go. Voilà, c'est comme ça les gens. L'année prochaine, gros projet, il y a l'Europe, et on va refaire du sale, et on va refaire du sale, et ça sera comme ça, et on va bien revenir, hein. Il y a une question, quand t'as fini la vidéo, mais on peut prendre une photo, toi et moi, que c'est mon dernier. C'est pas ta dernière, on joue l'Europe l'année prochaine, c'est mon frère. Ça c'est mon frérot. Ça sera pas sa dernière année, il a dit sa dernière, ça sera pas sa dernière année. Ah, oui. Chaque année il dit ça à la fin de la saison. On a commencé le foot, on a dit qu'un jour ça serait mon QB. Et qu'on irait en élite. Ouais. Et qu'on gagnerait l'élite. On l'a pas gagné, mais on a gagné 90%. L'année prochaine. Je suis fier de toi.